Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Overview, the main mechanisms of LBO. Va être rapidement autour de ce premier panel d'essayer de détailler un peu les grandes lignes d'une opération qui va offrir à des managers l'opportunité de prendre progressivement le contrôle d'une entreprise, d'avoir une part croissante dans son développement. Et pour ceux, ils vont trouver à la fois des nouveaux partenaires, des investisseurs, des banquiers, des mezzaneurs, ainsi que d'autres conseils qui vont les accompagner dans cette opération. Donc, pour détailler un peu l'ensemble des mécanismes, nous avons à la fois deux investisseurs, et je suis très content de les avoir à mes côtés, Charles Dill et Xavier Moreno, respectivement responsables d'Activa Capital et d'Axtorg Capital Partners. Dominique Fouquard, donc là, qui représentera le mezzaneur, donc un financier à mi-chemin entre la banque et le partenaire financier, enfin l'investisseur, donc responsable d'IFE mezzanine, un manager, Sébastien Guettan, qui au sein de Delpharm a eu l'occasion à la fois de réaliser un spin-off, sans vous expliquer un peu ce que c'est derrière, de développer l'entreprise accompagné par un investisseur, et Guillaume-Olivier Doré, donc d'Agrégateur Capital, qui lui a un peu un rôle à mi-chemin entre l'entrepreneur, c'est un entrepreneur lui-même avec un investisseur à son capital, mais également conseil et partenaire des managers avec un fonds qui mutualise les packages de management des entrepreneurs participant à un LBO. Donc pour commencer, on va laisser la parole sans doute aux investisseurs en leur demandant un peu pour eux dans un LBO, enfin, quels sont les critères qui vont les pousser à choisir une entreprise et comment ça va se mettre en place. Charles ou Xavier? Écoute, je ne sais pas. En un mot, comme la plupart des personnes qui sont ici ont beaucoup entendu parler du LBO, je vais essayer de résumer trois idées. Premièrement, qu'est-ce que c'est essentiellement le LBO? Et rassurez-vous, ça va prendre une dizaine de mots, pas plus. Deuxièmement, quels sont les ingrédients nécessaires? Et troisièmement, quels sont les cas où il vaut mieux pas faire de LBO? Qu'est-ce que c'est d'abord? Bon, une transmission progressive ou brutale, mais qui surtout a le mérite d'être progressive, du capital, associant le management, ouvrant des perspectives de développement par croissance interne ou externe, et adossé à un actionnariat professionnel qui apporte son expertise. Chacun de ces éléments est important. Quels sont les ingrédients qu'il faut trouver dans un LBO? J'en ai vu essentiellement trois, on pourrait en mettre 50, mais les trois principaux. Il faut un projet à 5 ans qui crée de la valeur. Il faut une certaine stabilité, solidité des cash flows pour pouvoir adosser à ces cash flows une dette d'acquisition, ce qui débouche sur des marges défendables, des positions de marché, etc. Et troisièmement, un management qui s'engage. Dans quel cas il faut éviter le LBO? J'ai imaginé 5 situations. Les entreprises dans lesquelles il y a une trop forte dépendance sur un homme seul et qui s'en va. Deuxièmement, un management pas autonome et qui n'a pas envie, qui a peu de goût pour se lancer en prenant des risques entrepreneuriaux.
Troisièmement, une rentabilité faible et ou une génération de cash faible. Alors certains, dans ces situations-là, au contraire, en font leur miel en ayant identifié la possibilité d'améliorer la situation. Quatrièmement, ça c'est plus dangereux pour LBO, c'est la très forte volatilité des cash flows et surtout une dépendance des résultats de facteurs qui échappent à la maîtrise de l'actionnaire du management, comme par exemple une réglementation, comme par exemple la position d'un immense, enfin d'un énorme client, comme par exemple un cours de matière première. Deux éléments finaux encore qui peuvent rendre très difficile, et j'en termine par là, l'application d'un LBO, c'est les développements très consommateurs de cash. Discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est dans le photovoltaïque. Il est certain que le montant des investissements nécessaires pour accompagner la croissance de secteur rend pratiquement impossible la gestion de ces entreprises avec un LBO. Et le dernier point, et ce sera probablement quelque chose que confirmera M. Guettan, moi qui étais dans ma vie antérieure dans la pharmacie, je pense que des projets de développement de nouvelles molécules pharmaceutiques qui prennent 10 ans ou 15 ans sont absolument incompatibles avec l'horizon d'un LBO. Donc un outil formidable, mais à prescrire à bon escient et sous réserve d'en réunir les conditions. Voilà un propos introductif. Oui, oui, j'ajouterai à ça peut-être un élément qui va devenir de plus en plus important. Vous aurez remarqué ici que sur ce panel, il n'y a plus de banque non plus. Et donc peut-être le L dans le LBO va devenir un peu moins important et peut-être plus le principe que nous sommes des investisseurs aux côtés de managers et nous sommes quelque part des associés de managers va devenir de plus en plus le leitmotiv de notre métier. Et je pense que nous sommes dans le métier de l'investissement. Les fonds de LBO sont souvent beaucoup critiqués. Comment moi je fais pour dormir la nuit, dormir tranquillement? Je dors tranquillement parce que je pense que notre métier a quand même ajouté un énorme élément d'aide et d'appui aux entrepreneurs. Et qu'il y a 20 ans, si vous étiez patron de votre business et que vous voulez devenir copropriétaire ou patron propriétaire, ce n'était pas possible. Et grâce au métier de LBO, maintenant les managers ont pu vraiment devenir copropriétaires, associés avec des investisseurs professionnels. Et donc je pense que quand nous on regarde un projet chez Activa Capital, que ce soit dans une filiale d'un grand groupe où le management cherche à prendre son indépendance ou dans une affaire familiale, la clé pour nous, mis à part l'analyse de la société elle-même, est-ce que l'investissement dans ce secteur va être un investissement porteur, c'est est-ce qu'il y a vraiment un projet d'homme. Et c'est pas une coïncidence si je suis là aujourd'hui, ce matin, à côté de Sébastien Aguettan de Delpharm. Sébastien est co-CEO avec Xavier Castelli d'une opération où nous avons pu aider, il y a quelques années, Sébastien et Xavier à racheter l'entreprise qui gérait et nous les avons accompagnés dans une période très forte de croissance. Et donc, c'est un très, très bel exemple d'une réussite d'une opération. Et nous avons cédé cette participation il y a quelques mois dans une opération que Sébastien vous expliquera. Donc, pour nous, le LBO, c'est vraiment une réunion de talents de management de société avec un vrai projet accompagné par des investisseurs, un fonds d'investissement qui, lui, a l'expérience d'accompagner des gens qui deviennent entrepreneurs. Souvent, ce sont des gens qui sont des managers dans des grands groupes. Nous faisons ça tous les jours et donc il y a une vraie valeur ajoutée là-dedans. D'ailleurs, Sébastien, par rapport à une réunion de partenaires, le manager que vous êtes, quand vous avez commencé à réfléchir au LBO et à faire un peu à envisager les différents partenaires que vous pourriez avoir, quels ont été vos critères? Qu'est-ce qui vous a motivé
déjà à choisir un LBO et ensuite à choisir un investisseur plus qu'un autre. Oui, je vais répondre tout de suite à ça, mais juste avant, vous me permettrez de dire deux mots sur Delpharm, parce que Delpharm n'étant pas Colony ou Starwood, on est peut-être un petit peu moins connu pour l'instant. Delpharm, donc, c'est une société de sous-traitance, donc on fabrique des médicaments pour le compte de tiers. Donc on a des usines et on transforme des matières premières pour fabriquer des médicaments qu'on vend à nos clients qui sont des laboratoires pharmaceutiques. Donc on essaye d'être le sous-traitant de l'industrie de la santé. C'est important parce qu'on le verra après, on dira peut-être un mot sur les secteurs, pourquoi aller dans tel ou tel secteur. Il peut y avoir des a priori sur les secteurs. Pourquoi le LBO ? Pour moi, d'abord, le LBO, c'est un outil formidable, mais c'est un outil au service d'un projet. Je ne suis pas spécialiste du LBO, je pense qu'il y a d'éminemment spécialistes qui ont beaucoup réfléchi au sujet. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, simplement, à un moment donné, on avait une entreprise. Cette entreprise avait un projet. On essayait avec mon associé Xavier Castelli, qui est le président de Delpharm, de développer cette entreprise. Or, notre actionnaire a souhaité nous vendre. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes manager et que l'entreprise est en vente, vous posez tout naturellement la question de quoi faire ou comment vous positionner. Et là, le LBO nous est apparu comme étant l'outil idéal. Et je rejoins une fois plus ce que disait Charles à l'instant. Il y a 20 ans, cet outil n'était probablement pas à disposition des managers. Aujourd'hui, on a une chance, enfin une fenêtre de tir exceptionnelle. C'est qu'il existe des possibilités de devenir partenaire fort dans l'entreprise qu'on dirige quand on est manager. Et ça, c'est un outil exceptionnel qu'on connaissait pas. Enfin, moi, je ne le connaissais pas avant de m'y intéresser. Donc là, il y a peut-être un point à faire sur les écoles. J'imagine que les programmes ont changé maintenant dans les écoles. Mais... enfin, du moins, je le souhaite pour ceux qui veulent promouvoir ce métier. Toujours est-il que c'était pas le cas il y a quelques années. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous voulez continuer à développer votre entreprise en gardant la main, tout naturellement, vous voulez en devenir actionnaire fort. Chez Delpharm, quand le problème s'est posé, on s'est tourné vers nos banques, puisque l'interlocuteur normal du dirigeant, c'est sa banque. On s'est tourné vers nos banques, on a essayé de regarder, faire une petite analyse de nos cash flows et regarder comment est-ce qu'on pouvait, quelle dette on pouvait mettre pour acquérir cette société. On a eu un montant de dette et là on a découvert avec stupeur que le montant de dette qu'on pouvait lever n'était pas suffisant pour faire le prix. Donc voilà, on a découvert un petit peu par le petit bout le LBO. Et c'est comme ça qu'en cherchant, on a essayé d'aller plus loin, parce qu'on voulait réellement faire cette opération. Et qu'on s'est fait présenter, alors à l'époque on n'était pas passé, quand on a rencontré Charles, par des banques d'affaires, on était passé par le réseau, je dirais, amical, enfin relationnel que chacun peut avoir, et on a rencontré trois fonds. À ce moment-là, vous me posiez la question de savoir comment a-t-on choisi le fonds, ou qui a choisi qui, je ne sais pas, est-ce que c'est Activa qui a choisi Delpharm, ou Delpharm qui a choisi Activa. De mémoire, je dirais qu'à l'époque, quand on avait un projet, on a présenté ce projet à des équipes, donc d'investisseurs professionnels. Et on a et là il y a un fit, il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui croient à votre projet, il y a des gens qui s'intéressent au projet de l'entrepreneur, qui se disent oui effectivement, et là j'en reviens sur le secteur, effectivement c'est peut-être pas stupide d'investir dans des usines en Europe, alors que il y avait des a priori, j'ai l'impression que ces a priori évoluent, mais il y avait beaucoup d'a priori sur le secteur secondaire il y a quelques années en Europe, sur l'avenir du secteur secondaire en Europe. On a rencontré des investisseurs chez Activa qui se sont dit « ça n'a pas l'air stupide de développer de la sous-traitance ». Bon, donc là encore, il faut que de part et d'autre, il y a un effort qui se fasse. Il est clair que quand vous rencontrez des gens et que le secteur n'intéresse pas, la conversation va pas loin. Ça suffit pas. Je pense qu'il faut aller plus loin, faire l'effort de mettre à plat, de bien disséquer le projet d'entreprise. Donc nous, on avait un business plan, on s'est fait, comme vous imaginez, on s'est fait auditer dans tous les sens, et on a partagé. Et là, ça a été un moment intéressant, c'est qu'après le closing, après la nouvelle période de l'entreprise, quand on passe en LBO, quand on change d'actionnaire, donc nous, c'était un spin-off, on quittait un groupe familial pour voler de nos propres ailes. Là, on a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a eu un soutien avec des gens qui nous ont stimulés, aidés à faire progresser l'entreprise.
Voilà pour répondre pourquoi en fait on a choisi des gens. On a choisi des gens réactifs qui s'intéressaient au métier et qui avaient les moyens de nous accompagner dans notre développement. Donc c'est ce qu'on avait essayé d'identifier. Ça répond à votre question ? Parfaitement. Bon. D'ailleurs, Charles, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il manquait le L aujourd'hui. Enfin, le levier est quand même un tout petit peu présent. On a Dominique qui est là. Alors, c'est pas forcément le levier en être senior à proprement parler. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin, autant qu'à faire, autant profiter d'avoir un mezzaneur à notre table pour voir un peu aujourd'hui... Enfin, vous également, quels sont vos critères quand vous regardez une opération, qu'est-ce qui va vous motiver à accompagner soit un investisseur, enfin un investisseur plus une opération, surtout aujourd'hui, enfin où la donne a relativement changé depuis l'été. Effectivement, je pense que bon, d'abord tout le monde prêche un peu pour sa paroisse, donc je vais parler un petit peu de la mezzanine. Plus précisément, bon, sans faire dans le didactique, même si la mezzanine n'a plus de secret pour beaucoup d'entre vous. Je pense que ce produit s'est un petit peu imposé dans les dernières années comme un peu un outil indispensable dans la panoplie des outils la panoplie des outils nécessaires pour la mise en place du parfait LBO. Donc tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que la mezzanine ? Finalement, c'est un produit qui se trouve, comme chacun sait, entre la dette et le capital, qui est un peu ce qui est le chaînon manquant, et c'est ce qui vous permet globalement de régler un certain nombre de choses qui sont parfois inconciliables, comme des impératifs, je dirais, tout à fait légitimes de rentabilité des actionnaires qui y vendent, et de l'autre côté, le fait de mettre, ceux qui vendent d'un côté qui vont chercher un prix relativement élevé, de l'autre côté, des gens qui vont essayer de minimiser le prix et de maximiser effectivement leur rentabilité. Donc comment réussir à finalement mettre en place un levier lorsque les banques s'arrêtent à un certain niveau et qu'on va essayer d'aller plus loin sans trop peser sur la trésorerie d'un groupe, sans trop asphyxier un groupe. Quand on regarde son plan de développement, ce groupe a peut-être besoin effectivement d'investir lourdement. Dans le cas de Delpharm, il faut mettre effectivement des lignes de capex. Tout ça, c'est consommateur de cash, mais derrière, vous allez trouver des gens comme les mezzaneurs, qui vont être capables de mettre des produits un petit peu hybrides, qui vont de la dette obligataire subordonnée à des choses comme plus complexes, comme des ORA, des obligations remboursables, en tout cas des produits qui classiquement sont des obligations avec des varants ou un bon de souscription d'actions, avec des bons de souscription d'actions attachés. Donc ces produits-là vont être finalement la variable d'ajustement qui vont permettre de répondre dans le temps imparti ou dans le process qui est organisé pour la cession, vont être capables de mettre environ entre 10 et 25% de l'ensemble de la transaction et d'aligner leurs intérêts avec effectivement les sponsors en equity et également les attentes des managers. Donc qu'est-ce que nous, on cherche dans un LBO ? D'abord, c'est, je crois que tout le monde l'a à peu près dit, c'est avant tout un projet d'entreprise incarné par des managers. Je dis bien des parce que souvent l'unicité est synonyme de fragilité. Pour nous, en tout cas, un manager sans middle management derrière et sans relais, c'est quelque chose sur lequel on évitera peut-être d'investir ou d'accompagner. C'est forcément une affaire d'actionnaire, donc ça veut dire que quelque part on est attaché à ce que les managers soient impliqués financièrement, et qui dit impliqués financièrement dit qu'on doit trouver par là un équilibre, une gouvernance assez équilibrée entre ces différents partenaires, que sont d'un côté effectivement les sponsors en equity, les fonds d'investissement, puis de l'autre côté d'autres acteurs que sont les managers, les banquiers et nous-mêmes. Je pense que là, un LBO, c'est aussi essayer de trouver un alignement d'intérêts sur une période de temps donnée. Parce que bon, on parle tous de changement, de transmission. À un moment donné, on rentre dans une histoire, mais on a tous un horizon de sortie. Et dans cet horizon, il faut effectivement que les modalités de sortie soient parfaitement identifiées. Et pour nous, un LBO,
c'est quelque chose aussi qui est une histoire qui s'inscrit sur une période de temps définie. Ce n'est pas un truc forever. Et enfin, bon, c'est clairement pour nous, Medzaneur, une opération dans laquelle il y a un sponsor qui doit, pour nous, par sa réactivité et son engagement, être susceptible de démontrer sa capacité d'intervention dans les situations difficiles. Là, on parle des choses roses, et les choses moins roses font que il faut pouvoir soutenir l'activité. Soutenir une activité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire être capable d'investir, être capable de trouver les moyens de franchir la période difficile. Et ça, seuls les fonds expérimentés sont vraiment capables de mettre en œuvre cet atout. Donc. Voilà. D'ailleurs, enfin, Guillaume Olivier, vous avez vous-même un investisseur à votre capital, hein, vous avez des contacts avec un panel relativement, voire très large d'entrepreneurs vivant aujourd'hui ou ayant vécu un LBO par le passé. Votre point de vue, les conversations que vous pouvez avoir avec ces managers, qu'est-ce qui en ressort? Pardon. Effectivement, on a constaté, donc aujourd'hui, c'est une communauté de 350 entrepreneurs qui ont cette particularité d'être tous actionnaires, entrepreneurs, fondateurs ou repreneurs de leur société, donc accompagnés par des professionnels du capital investissement, qui ont mutualisé une partie de leur management package, hein, une très faible partie, quelques pourcents. Au sein d'un fonds, ce qui, effectivement, crée une communauté d'associés, et donc une communauté d'intérêts. Ce qu'on a observé, mais je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est que depuis 5 ans, il y a une structuration et une professionnalisation du marché. Les entrepreneurs eux-mêmes y ont pris goût. Donc on se rend compte que de plus en plus, ils y prennent goût. Lorsqu'ils ont une opération réussie, vous êtes le témoin ici, mais lorsqu'une opération est réussie, ils ont envie de continuer l'aventure, quitte d'ailleurs à se transformer eux-mêmes, parfois en accompagnateurs de la seconde ligne de management qui va suivre l'aventure derrière eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Et du coup, ils recherchent aujourd'hui, parce qu'ils se sont eux-mêmes professionnalisés, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui un entrepreneur qui a fait son premier LBO, au deuxième, je crois qu'il connaît autant le LBO que l'interlocuteur qu'il a dans le fond. Alors, il n'en connaît pas forcément tous les détails, mais en tout cas, il est extrêmement éduqué. Et aujourd'hui, il est à la recherche de critères qualitatifs extrêmement forts, et ça rejoint un peu ce que ces messieurs disaient sur la qualité de la relation qu'on peut avoir avec son interlocuteur au sein du fonds, la structuration la structuration du projet avec des routes qui peuvent parfois un peu évoluer, donc la souplesse qu'on peut avoir, la confiance et la transparence de la relation. Donc c'est beaucoup de critères qualitatifs qui modifient substantiellement la manière dont chacun des entrepreneurs appréhende son opération de LBO. Donc c'est un petit peu la position qu'on observe aujourd'hui. Bon, on espère tous que le marché va continuer à se développer de cette manière-là. Et donc voilà, je peux dire. Il y a beaucoup de qualité. Par rapport au manager, d'ailleurs, une question donc qu'on peut se poser, c'est... Ok, premier LBO, il arrive, il voit des investisseurs en face. Un processus qui également, un LBO, c'est une opération. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont obligatoires, qui généralement se passent en très bons termes entre l'équipe de direction, les investisseurs, les conseils, les banques, les mezzaneurs et autres. Enfin, pour vous, quels devraient être les principaux critères qu'un manager devrait retenir sur le processus de l'opération, vous aviez? Oui. Un commentaire quand même sur ce que vient de dire notre ami d'agrégateur. Les critères purement qualitatifs sur le choix du partenaire pour un deuxième LBO, je ne sais pas où vous avez vu ça, mais moi je ne l'ai jamais vu. Il y a quelque chose, si on n'est pas langue de bois, qui s'appelle le critère quantitatif. Qui tend à jouer un rôle de plus en plus important. Donc soyons quand même dans cette salle honnêtes. Je pense que ce qui s'appelle le management package, c'est-à-dire la part de la plus-value que l'investisseur est prêt à abandonner au management, est un critère très important. Et je pense que ça vaut la peine d'y revenir, parce que c'est quand même un sujet à la fois, évidemment, de conflit d'intérêts, mais d'une certaine manière, philosophiquement, on peut se demander à un certain moment quel est le bon couple
plus-value, prise de risque appropriée, et est-ce que les attributions de plus-value qui résultent des pratiques de marché d'aujourd'hui sont correctement équilibrées par le marché par rapport à ce que on pourrait justifier. Alors je ferme cette parenthèse pour répondre à ta question. Je ne sais pas combien d'entre vous sont des managers qui ont pratiqué des LBO et combien d'entre vous sont en train d'y réfléchir, mais je peux annoncer à ceux qui sont en train d'y réfléchir que ça sera plus pénible, plus long, plus difficile que tout ce que vous anticipez. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, mais notre ami tout à l'heure américain l'a dit dans ses formules dont ils ont le secret, le downside, we have to cover the downside and the upside will take care of itself. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où, comme on vient de le dire avec la mezzanine, on cherche à optimiser les financements pour que le filet mignon, c'est-à-dire la partie vraiment du management et de l'investisseur, soit le plus petit possible. Donc on cherche à tirer un financement le plus large possible. Et pour obtenir ce financement le plus large possible, il faut justifier d'une certaine sécurité de ce financement. Donc un mécanisme de LBO primaire, c'est une opération extrêmement douloureuse de questionnement de l'entreprise sur tous ses risques. Chez Astorg, on a fait une majorité de deals primaires, souvent dans des situations qui n'étaient pas préparées par des banques d'affaires, et l'opération est extrêmement longue, elle prend 6 mois, elle prend 8 mois, et on est obligé d'analyser l'entreprise en profondeur et de préparer toute une série de réponses au banquier qui, avant de consentir son crédit, va vouloir obtenir le plus d'assurance possible. Avec un paradoxe d'ailleurs, c'est que le fonds qui investit dans une entreprise vous paraît être celui qui doit décider ou pas s'il achète entre guillemets le business plan, mais en réalité dans le monde dans lequel nous vivons, on veut chaque fois qu'il y ait une vérification de ce que dit le sponsor ou de ce que dit quiconque, et donc il y a chaque fois un doublonnement d'analyse avec des auditeurs stratégiques qui auditent eux-mêmes les business plans et qui auditent l'idée que se font de ce business plan les investisseurs. Donc c'est un processus très long, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est nécessaire, et souvent, même s'il est très coûteux, s'il prend du temps, je pense que la plupart des entrepreneurs qui sont passés par ce process reconnaissent qu'à la fin du process, le travail a été très pro. Bon, 50% ou 60% seront probablement qualifiés de précautions inutiles qui enrichissent les avocats et les auditeurs, alors qu'en business on aurait pu faire plus simple, mais globalement c'est un produit relativement propre, et il n'y a qu'à voir, alors modulo la conjoncture très favorable de ces dernières années, le relativement faible taux de défaut, pour conclure que dans l'ensemble ce travail d'analyse a été bien fait. Alors, je ne veux pas être trop long, donc un processus long, un processus pénible, un processus à valeur ajoutée, et d'une manière générale, une très grande différence entre un LBO primaire et un LBO secondaire. Donc le LBO secondaire, c'est ce que pratique le marché avec beaucoup d'aisance, c'est une société rodée qui a déjà ses process internes, qui sait répondre au banquier par avance avant que la question lui soit posée à ce que le banquier va demander, et du coup ça facilite énormément la mise en place du LBO en termes de temps, en termes de déstabilisation de l'entreprise. Le LBO secondaire, c'est ce qu'a pratiqué beaucoup le marché, on va voir en tout cas sur le prochain semestre ce qui va se passer. Charles? Oui, je pense que souvent les managers d'entreprises, de vraies entreprises, pas du monde de la finance, comprennent pas comment ça fonctionne tout ça, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et je pense que c'est important de comprendre que notre métier, le métier de fonds d'investissement, est un métier global. Nous essayons, que ce soit Astorg ou Activa, nous essayons d'attirer des capitaux, du capital, et c'est ça l'huile du moteur, ou même l'essence du moteur. Et sans ces capitaux, les entrepreneurs, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Et pour attirer ces capitaux, qui viennent essentiellement de l'étranger, qui viennent essentiellement soit des compagnies d'assurance, soit des fonds de retraite, il y a quelques règles à suivre. Et d'où ce système qui peuvent apparaître terriblement lourd, mais les bailleurs de fonds in fine
ou ceux qui mettent des liquidités dans le système, le vrai capital, ce sont des gens qui ont une responsabilité énorme. Donc quand nous investissons les retraites des fonctionnaires finlandais, par exemple, qui est le cas, ben oui, il y a certaines choses que nous devons faire pour démontrer que nous avons pris toutes les responsabilités que les bailleurs de fonds nous ont données au sérieux. Et ça veut dire audit, avocat et tout le reste. Mais c'est le prix à payer pour avoir accès au capital. Et sans ce capital, bah, la machine ne fonctionne pas. Avant de passer la main au manager qui aura certainement son mot à dire sur les audits et tout ce qui va avec, Dominique, au niveau du mezzaneur, vous demandez également à voir vos propres analyses, enfin vous vous satisfaisez de... Nos propres analyses. D'abord, nous sommes avant tout un accompagnateur, donc nous n'importons qu'une petite partie, et vous avez compris que la mezzanine se trouve un petit peu accrochée derrière les sponsors ou les fonds d'investissement en capital. Donc nous sommes très attentifs à ce qui sera écrit par les auditeurs, par ce qui sera identifié dans les due diligence qu'on préfère acheteurs, bien évidemment. On est très sensible aux éléments tangibles, on n'est pas dans le qualitatif, on est dans le quantitatif, qui permettront de valider le point de vue des managers, la stratégie et de surcroît tout ce qui nous permettra de nous conforter sur l'adéquation ou la cohérence de l'outil industriel par rapport au business plan qui nous est présenté. Donc tout ce qui pourra contribuer à rendre compréhensible le business model et le projet d'entreprise, et pas uniquement du qualitatif, sera effectivement pris en compte, et c'est ce qui permettra, je dirais, aux investisseurs que nous sommes de venir contribuer pour une partie non négligeable au LBO. Donc là-dessus, on est parfaitement en ligne avec ce que peuvent produire ou demander de produire des fonds d'investissement comme Activa ou Astorg. D'accord. Si je peux permettre juste, il y a un point important qu'il faut que vous compreniez, c'est que notre ami banquier, c'est plutôt le banquier senior que le mezzaneur, mais il va consentir son prêt le jour de la transaction. Et ensuite, le banquier, il attend qu'on le rembourse. Comme c'est des prêts souvent à 10 ans et qui sont remboursés seulement à la fin, il n'a en gros plus son mot à dire. Donc, il va émailler le contrat de prêt Absolument. De toute une série d'indicateurs d'alerte qui, s'ils sont touchés, lui redonnent voix au chapitre pour exprimer son avis. Et donc, il n'est pas étonnant que les dettes de LBO, à certains égards, soient une sorte de carcan dans lesquels sont enfermées les entreprises, qui fait que si elles dévient un tant soit peu de la trajectoire initiale, pas nécessairement d'ailleurs parce que les choses vont mal, ça peut être par contre parce qu'on a une nouvelle opportunité de développement, on a plus d'argent que prévu, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut repasser par la consultation du banquier. Et c'est là qu'il y a une relation qui est extrêmement importante, parce que c'est une relation business. Et il faut évidemment que la banque, dans ses réflexes, même si elle en profite souvent pour réduire ses risques, si par exemple l'entreprise va mieux que prévu, ouvre aussi la voie à des développements supplémentaires, des souplesses supplémentaires, en fonction de la mise à jour du business plan et des perspectives qu'il y a. Donc il y a une sorte de co-gestion. Les banquiers n'aiment pas ça parce qu'ils ne veulent pas être gestionnaires de fait en cas de pépin, mais de facto, il y a une certaine co-gestion à organiser. Et le mot-clé, qui est peut-être une transition avec le point d'après qui est sur le suivi, c'est une certaine forme de confiance qui doit s'instaurer, confiance qui se nourrit de la qualité du travail d'investigation qui a été fait en amont, confiance qui se nourrit de la conformité des résultats des premières années à ce qui a été annoncé, et confiance qui se nourrit aussi de la transparence avec laquelle le management rendra compte aux banquiers de la qualité de manière détaillée de ce qui se passe. Les management presentations aux banques chaque année ou deux fois par an sont en général, je pense que vous me le confirmerez, un modèle de, c'est presque aussi bien voire mieux qu'une réunion d'analystes financiers de sociétés cotées. Donc c'est un jeu subtil dans lequel, en contrepartie de cette espèce d'énorme masse de financement qui, vu de l'extérieur, a l'air d'être tombée du ciel, en réalité, il y a un vrai travail de fond, de relation entre l'entreprise et son actionnaire d'un côté et ses banques pour créer cette relation de confiance.
D'ailleurs, Sébastien, par rapport à cette relation de confiance à instaurer pour sortir du carcan, enfin si, bien entendu, et par rapport au poids également des analyses réalisées par les alors deux, par les deux investisseurs. La première, je pense qu'il est important de distinguer le LBO, le premier LBO des suivants. En ce qui concerne Delpharm, on en est au deuxième, donc on a fait un premier LBO, comme je disais tout à l'heure, d'une spin-off. On a quitté un groupe pour commencer une nouvelle aventure. Là, on apprenait tout. Et donc là, on s'est retrouvé face à des audits lourds, face à des due deals difficiles, enfin difficiles par leur ampleur et comme on le disait précédemment, on n'imagine pas ce que c'est tant qu'on n'est pas passé dedans. C'est impressionnant. On se dit qu'on va faire ça en plus du quotidien et en fait, le quotidien, malheureusement, passe un peu derrière. Et ça, c'est un écueil qu'il faut éviter. C'est que quand on est happé dans la machine et dans le process, on se retrouve à faire plus que ça pendant quelques semaines, ce qui pourrait être préjudiciable au quotidien. Donc le LBO primaire est une chose, le LBO secondaire, on est déjà mieux rodé, on sait dans quoi on va tomber. Donc nous, chez Delpharm, on a fait un second LBO quand Activa a décidé de se séparer de cette participation, dans lequel nous avons repris la majorité avec mon associé du capital, grâce au fonds mezzanine, donc à Acto et à IFE. Donc Dominique ici présent et à Acto mezzanine. Donc la mezzanine, est, on le voit bien, aussi un outil exceptionnel qui répond aussi à une autre problématique très particulière. Dans le cadre de ces audits, forcément dans le cadre d'un second LBO, les audits ne sont pas les mêmes. On est plus rodé, plus préparé. Et là, j'en viens à la deuxième remarque que je voulais faire. À la petite difficulté auquel on est confronté en tant que manager, c'est qu'on se doit d'être vendeur en étant prudent. Ce qui paraît évident, mais qui n'est pas aussi simple que ça, c'est qu'en réalité, on est poussé par ses partenaires, on est poussé par plein de gens, par les auditeurs qui arrivent, par les gens qui voient que des bonnes nouvelles, parce qu'on leur a plutôt tendance à leur montrer le bon côté du business plan. Et il faut, et là c'est un point qui me paraît important à soulever, il faut être très prudent à pas se laisser entraîner. Parce que si on se laisse entraîner, on se retrouve à la fin avec un deal incontrôlable, avec des niveaux de dette non raisonnés, et avec en cas de coup dur, en cas de retournement, et les retournements sont jamais certains, mais enfin voilà, pas de marge de sécurité. Donc le paradoxe que je veux soulever, c'est qu'il faut à la fois faire envie aux partenaires sortants, aux partenaires entrants, parce que bah, sinon ils vont pas rester longtemps avec vous, enfin ils vont pas venir, et à la fois ne pas se laisser entraîner. Et ça, c'est le point qui n'est pas évident. Pour clore le panel, finalement, enfin, que ce soit les uns ou les autres, si vous aviez un point supplémentaire à ajouter sur la vie du LBO, sur la relation qu'il pourrait y avoir entre investisseurs et managers, sur ce qui peut apporter un peu le sel également de l'opération, lequel serait-il ? Continue à lancer. Bon, moi je pense que la pratique du LBO, je dis ça aux jeunes qui rentrent dans l'équipe d'Astorg, c'est du commerce d'êtres vivants. Les entreprises sont des êtres vivants, et un commerce d'êtres vivants, ça nécessite un certain nombre de précautions. Et notamment, on assiste malheureusement de temps en temps dans notre métier à la situation de l'investisseur qui joue du violon et de la séduction à l'entrée, en expliquant qu'il est là pour le long terme, qu'il respectera la culture d'entreprise. Et puis à la sortie, un peu pressé par les enchères qui sont là, ou la perspective d'une plus-value très opportune, un certain nombre des beaux principes énoncés au départ passent au second plan par rapport à l'explication qui consiste à dire que les fonctionnaires finlandais attendent cette plus-value pour leur retraite. Et donc, fût-ce au prix de certains inconvénients pour ceux qui restent dans l'entreprise, il faut que cette plus-value rentre vite fait, bien fait, dans la caisse des fonctionnaires finlandais. Bon. Chez Astorg, on a vraiment une philosophie d'affaires qui consiste à dire 2 sur 3 de nos entreprises sont dans des contextes familiaux.
pour un chef d'entreprise, vendre son entreprise, c'est un traumatisme aussi fort que marier sa fille. Et donc, il est très intéressé à ce qui va lui advenir après, plus qu'à la marge par le nombre de millions qu'il aura sur son compte en banque. Et donc, il faut qu'on explique tout le temps à nos investisseurs que le million d'euros supplémentaire qu'on pourrait aller chercher à la sortie, s'il était au détriment du pacte moral qui était passé avec le management et avec l'entreprise, à ce moment-là, il serait contre-productif. Il serait efficace pour la plus-value de la sortie en question, mais il nuirait à l'image que l'on a, et nos meilleurs agents commerciaux, comme pour Charles, ce sont les personnes qui ont fait affaire avec nous et qui nous disent, qui disent de nous, ils ont été vraiment réglo à la sortie. Alors la contrepartie de ça, c'est la slide qu'on a sautée juste avant, qui porte sur les package management, c'est qu'il faut être réglo dans les deux sens. Nous, nous sommes absolument pour que cette sortie se passe bien, c'est-à-dire qu'on prenne en compte, en gros, les choix ou les préférences du management ou du projet d'entreprise pour le détenteur futur et pas seulement le prix qu'il a annoncé. Mais il faut en sens inverse, ni que les managements pensent qu'ils ont une situation de force telle que le partage des plus-values à la marge doit se faire vraiment à leur bénéfice, ni surtout qu'au sein des management package, il y a un petit groupe qui considère que c'est à lui que revient cette plus-value et pas à l'ensemble des salariés. Donc nous militons pour que, à la sortie en particulier, si on veut éviter une situation sociale difficile, on l'a vu dans certains LBO, tout le monde profite de l'opération et de la création de valeur associée, ce qui nécessite, dès l'entrée ou 6 mois après l'entrée, d'avoir mis en place un plan d'investissement ouvert à tous les salariés, abondé par l'entreprise, et qui font que le jour où on sort, la plus-value, elle n'est pas pour 5 personnes, mais elle est pour les 3000 personnes de l'entreprise, à des degrés divers. Sébastien, en deux mots pour clore, si vous voulez apporter, enfin répondre justement sur cet aspect. En deux mots, je dirais transparence et confiance. On n'est pas là pour les mêmes raisons, je crois que c'est très clair. Je veux dire, l'entrepreneur est là pour inscrire, pour créer une entreprise dans la durée et à l'échelle la plus longue possible. Les entreprises peuvent avoir des histoires qui durent sur des décennies. L'investisseur est là pour aider l'entreprise à un moment donné de sa vie, à un tournant. Je pense que donc, on se rend compte pour des points très clairs sur lesquels il faut être très clair dès le début, en toute transparence. Nos échelles de temps sont pas les mêmes, mais on a beaucoup à s'apporter. Donc c'est là où il faut être, faut qu'il n'y ait pas de faux semblants. Merci.